Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop and Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL. Salut à tous! Bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels où on parle jeux vidéo, manga, comics, cinéma, BD, de genre, tout ça. On n'a pas le temps, on a commencé avec 15 minutes de retard et on a parlé pendant une jingle. Je vais vous taper sur les doigts et je vais me taper sur les doigts aussi. Écoutez les enfants, voilà, c'est un peu la teuf aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur les caméras. On a un plateau très 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 complet, on va faire le tour assez rapidement car aujourd'hui nous avons en plateau Pierre! Hey! Comment ça va? Ça va très bien, et toi? Très très bien. Je m'appelle Pierre. Évidemment, j'ai pas résisté, désolé. Bon, alors Pierre, effectivement, qui a fait le voyage en train pour venir pour cette émission très spéciale. Exactement. Car c'est la 50e, c'est un petit peu voilà, un cap pour nous. L'événement. C'est le grand événement. Et donc, pour poursuivre sur cet événement, nous avons toujours IDB en plateau. Ah, attention, maintenant on dit grand remplacement. Le grand quoi ? Remplacement. Le grand remplacement. Oui. Que se passe-t-il avec le remplacement ? Ah non, vous n'êtes pas. Le grand placement. Non. Le grand placement. Non, non je fais des blagues sur là-dessus, je suis tout seul à comprendre. C'est le placement de produit. T'es nul. C'est triste. C'est triste. Non, je m'échauffe pour tout à l'heure. Mais Lorraine égaye notre journée. Comment vas-tu, Lorraine ? Lorraine égaye, je comprends pas. Quel rapport ? Ça commence, ça fait 5 minutes. L'un n'empêche pas l'autre. Cette émission va être très 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 longue. Non, justement, ça sera plus courte que d'habitude. Bon, Alexis, comment ça va ? Très bien, très bien, très content d'être là pour la 50e. Très content. Alors, je me réserve pour les jeux. Alors, évidemment, on démarre à l'heure. Nous avons Tito. Oui. Fait, comment ça va? Bah, très bien. Nickel. Et Florent. Salut à tous. Comment vas-tu? Bah, ça va, on m'a dit de pas bouger. Parce que j'ai un siège qui grince, il faut pas que je bouge un orteil. Alors, surtout pas. Mon dieu. Voilà. Et alors, avons-nous Damien en ligne? C'est pas ton orteil, ça. Avons-nous Damien en ligne? Non, nous n'avons pas Damien en ligne. Alors, avons-nous la régie en ligne? Après, d'accord, très bien. On est on fire, c'est super. French Fandom qui nous dit bonjour sur le chat. Notre cocktail de bulles de pixels, évidemment. Et écoutez, les enfants, c'est un petit peu la teuf. On a un programme assez chargé. On fête donc notre 50e. On va faire pas mal de jeux dont qu'on va vous laisser vous découvrir tout au long de l'émission. Mais tout de suite, c'est la Newsbox. Et on commence les news, Lorraine, avec des nouvelles de DC au cinéma. Ouais. Alors, Ava DuVernay va réaliser New Gods. Donc, son film Un raccourci dans le temps vient à peine de sortir, qu'elle a déjà signé pour réaliser donc, New Gods, adaptation du comics imaginé par Jack Kirby pour DC Comics dans les années 70. Pour ce faire, c'est Kerios Salem qui s'occupera du scénario. Si ce nom vous est inconnu, c'est parce qu'il a travaillé principalement sur des moyennes productions, sur des projets télévisuels et que son dernier travail remonte à Chasing Mavericks en 2012. Donc voilà, pas mal de petites choses. Voilà, effectivement, elle avait refusé Black Panther chez Marvel. Elle maintenant vient chez DC. Ah ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça vous inspire autour du plateau? Je sais pas, moi, le scénariste chez Chasing Mavericks, je l'avais vu à l'époque, c'était pas mal hein, comme film. C'était une histoire de surfeur. Voilà. Ça devait parler, toi, Titon, normalement, mais bon. Pourquoi? Tu as pas dû le voir parce que t'es pas un skater surfeur, toi. T'as un rally aussi. C'est le plan du Morbihan. Ah oui. Titouan de chez les Chouans. On continue avec Pierre qui va nous donner des news de Sega. Exactement, donc l'éditeur Sega a annoncé l'arrivée de Sega Mega Drive Classics, une compilation qui regroupera les jeux qui ont fait les grandes heures de la Mega Drive, ou Genesis pour les intimes. Cette compilation comptera 53 jeux comptant tous les épisodes sortis sur la console de Sega comme Wonder Boy, Street of Rage, Phantasy Star ou encore Shine Force. De plus, ces jeux bénéficieront d'options propres aux compilations de jeux émulés que l'on peut retrouver sur la SNES Mini par exemple, comme le rembobinage, les filtres d'affichage, le mode miroir, les sauvegardes rapides et même le jeu en ligne pour les titres multijoueurs. Cette compilation arrivera également en version boîte comprenant un poster double face Golden Axe et Street of Rage. Pas de prix annoncé pour le moment, mais cette compilation est prévue pour une sortie le 29 mai sur PS4, Xbox One et PC. Et là, vous allez me dire... Mais où la version Switch ? Eh bien, chose étonnante, pas de version Switch dans le viseur pour une compilation qui aurait grandement bénéficié d'une sortie sur la console hybride de Nintendo. Plus étonnant encore, l'absence de Sonic 3 et Sonic & Knuckles dans la galette est pour le moins inexplicable. Une sacrée tâche de ce qui aurait pu être la compilation ultime pour les fans de la console de Sega. On fera avec, on ne va quand même pas bouder notre plaisir devant une telle brochette qui ravira les plus nostalgiques, comme ceux qui veulent découvrir les grands titres de l'ère 16-bits. Bah effectivement, c'est un petit peu un bon programme finalement pour redécouvrir tous ces classiques de la Mega Drive. Sega qui est en petite forme en ce moment, qui annonce également une version physique de Sonic Mania Plus, avec deux personnages, pas, Mighty et Ray. Ok.
Voilà. Merci pour cette info. Merci Big Mania, c'était cool, mais pourquoi faire une version plus? Enfin, bref. Non, mais il manque les Sony parce qu'il faut acheter la Mega Drive Mini. Ils ont fait une annonce hier en plus d'un certain Sonic R. Oui, un Sonic Racing. Un Sonic Racing. Dans le trailer, c'était lui Sonic. On ne sait pas plus. Et Soutine, un Pipo Mantis sur Twitter qui a pleuré toutes les larmes de son corps parce qu'il pensait que c'était Outrun 3. Voilà. Suzuki, il a autre chose à faire. Ah oui, j'avoue, il a quoi faire à Monaco en ce moment. Alexis, tu avais une petite triplette. Rapidement, Soul Calibur 6 nous donne des nouvelles. On apprend que le personnage invité de cette édition sera Geralt de Rive, le fameux sorceleur de la saga The Witcher. C'est un secret de Polichinelle, on le savait tous un petit peu, non, je crois. Alors on apprend aussi qu'il y aura un stage Kaer Morhen, qui est la demeure d'entraînement des sorceleurs qu'on peut voir dans The Witcher 1 et 3. Il fera donc suite à Link, Spawn, Vador, Yoda, Dio Auditore, etc. Pas de date de sortie pour le titre, mais probablement cette année. Quelque chose à dire sur ce sujet, c'est normal, vous attendiez un autre personnage peut-être? Ouais, il va y en avoir d'autres qui seront annoncés plus tard en DLC et tout. J'attendais Kiryu Kazuma vu qu'on l'a pas eu dans Tekken. Mais on l'a pas non plus dans Soul Calibur. Bah t'auras Noctis. Ouais, t'auras Noctis. Et voilà. Oui, Florent, pardon. Enfin, il y a Half-Life qui arrive dans FIFA. Non, c'est pareil. On rend la parole à Alexis, pardon. Donc, pour Soul Calibur, c'est tout. Je vous parle d'un nouveau jeu Tomb Raider. Grosse actualité pour l'aventurière. Quelques jours après la sortie du film avec Alicia Vikander, plus l'annonce du remaster des trois premiers opus. Square Enix a annoncé le prochain vrai titre de la saga qui sortira avant la fin de l'année, probablement le 14 septembre, il me semble. Pas d'exclus temporaire Xbox One comme ce fut le cas pour Rise of the Tomb Raider sorti en 2015. Lara ira en Amérique du Sud chez les Aztèques et cela conclura la trilogie initiée en 2013 avec un reboot revenant aux origines de la saga. Du gameplay devrait être présenté le 27 avril prochain. Eh ben, pas mal de bonnes nouvelles là-dessus. Tomb Raider, effectivement, vous l'attendez? IDB, est-ce que tu l'attends, puisque tu fais de malin? Pardon. Okay. J'ai rien fait. C'est pas moi. Donc. Ouais, Shadow of the Tomb Raider, moi je l'attends. J'espère qu'il y aura un peu plus de choses dans le gameplay que Rise, parce que Rise c'était la même chose que le tout premier. Putain, tu joues encore à Tomb Raider? Ben ouais, mais c'est trop bien Tomb Raider. Non, le reboot était pas mal. Hein. Le reboot ouais, était bien. Après, une fois, mais trois fois, je sais pas. Rise of the Tomb Raider c'était un peu la même chose à des endroits différents. J'espère que pour Shadow ils essaieront un peu de faire évoluer la formule pour avoir quelque chose d'un peu mieux. Mais sinon, ça reste toujours cool à jouer. C'est 20-30 heures sympathiques dans un jeu d'aventure à la Uncharted. C'est plutôt cool quoi. Ouais. Ok, bon, bonne petite attente. Et dernière de ta triplette. Days Gone repoussé à 2019. On avait vu dans un rapport de Sony qui indiquait que le jeu sortait en 2019, alors que jusque-là, il était quand même plus ou moins prévu pour 2018. Mais l'info a été confirmée. Le titre arrivera en 2019. Days Gone, c'est un monde en jeu ouvert, post-apocalyptique, où l'on incarne Deacon St. John, un chasseur de primes tentant de survivre face à une horde de morts-vivants qui s'appelle les Freakers. Alors, Horizon Zero Dawn. Rien de très original jusque-là. Le jeu s'était un peu dévoilé lors du dernier E3 et était attendu quand même par beaucoup puisqu'il s'agit d'une nouvelle licence de Ben Studio, ceux qui ont fait Siphon Filter. C'est une exclue PS4 et c'est leur premier AAA, donc pourquoi pas avoir. On ne sait pas trop pourquoi le jeu a été repoussé, mais on peut imaginer que Sony voulait éviter la concurrence de fin d'année qui risque d'être rude comme tous les ans. Assez compliqué, oui. Effectivement. Oui, Tito, très rapidement, ce qu'il faut qu'on avance. Rien. Il a dit rien. Ah, je sais pas, je te voyais genre. Alors, j'ai dit oui, je suis d'accord avec Alexis, voilà. Je suis content alors. Hein. Très bien. Alors, IDB, tu vas te faire le défenseur du peuple sur cette news. Non, pas vraiment, je relate simplement les faits, mon cher ami. Très bien. Mais il se trouve qu'effectivement, la grève continue chez Evgen Systems. Le syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo soutient toujours le mouvement. Ce qui a causé comme réaction un certain député du mouvement Les Républicains, pardon, du Calvados, monsieur Sébastien Leclerc, de déclarer que le syndicat des travailleurs de jeux vidéo était un mouvement politique anarchiste. D'accord. En simplicité. Voilà, puisque c'est, je ne sais pas, un problème pour lui apparemment. Il se trouve que malheureusement, ce monsieur est au siège d'un conseil départemental du Calvados aux côtés d'une certaine Virginie Ledresset, qui elle fait partie, comme lui, de la majorité élue dans le secteur. Mais il se trouve surtout que son mari n'est d'autre que le PDG de Gain System, monsieur Cédric Ledresset. Voilà, donc peut-être qu'il se peut qu'il n'y ait pas complètement impartialité sur ses déclarations. Petit conflit d'intérêt, voilà, un petit ange qui passe, effectivement. Et en plus, c'est mis sur Facebook. Pardon ? C'est mis sur Facebook, les deux. Hey, t'as vérifié ? Habile. C'était vérifié par le mort. Monsieur Miguel Oduro. Il y a un mec qui est payé à vérifier les. Si Monsieur Oduro l'a dit, donc forcément, c'est effectivement. Florent, tu fais le malin, tu gardes la parole. Oui, alors je fais le malin, mais autant que Valérie Pécresse, apparemment, qui donc
lors du dernier conseil de la région Île-de-France, est revenu sur l'affaire Webedia, entre guillemets on appelle ça. Webedia, donc pour vous remettre sur le fer, Webedia a déposé une demande de fonds pour un tournoi e-sport sur FIFA et sur Clash Royale et a eu 100% des fonds du tournoi alloués par la région, donc ce qui s'évaluerait à 100 000 ou 150 000 euros, c'est pas trop encore, c'est à peu près ça. Sur un dossier presse de 3 lignes. Ouais, voilà, avec en présentant un dossier de 3 lignes, bonjour, on fait un tournoi e-sport, c'est bien, donnez-nous des sous. Voilà. Donc Valérie Pécresse est revenue dessus et elle déclare assumer n'avoir que Webedia comme interlocuteur dans l'e-sport en région Île-de-France. Alors ce qui est totalement faux, pour connaître des gens de l'e-sport qui essayent de discuter avec la région depuis des années, c'est totalement faux. Elle assume aussi financer à 100% le fonds public un tournoi promotionnel pour une entreprise au chiffre d'affaires de 14 millions d'euros par an. Donc voilà. Et elle assume aussi avoir aucun recours, n'avoir fait aucun appel à projet transparent ouvert à l'ensemble des artisans, des acteurs de l'e-sport en Île-de-France. Donc en gros, elle assume donner de l'argent à ses copains Webedia. Tant mieux pour eux, j'ai envie de dire. Voilà. Attention, nous ne devons pas faire d'opinion dans cette émission. Oui. C'est la déclaration de Valérie Pécresse. Je n'ai pas donné. Elle assume avoir fait tout ça. Voilà. Voilà. Donc, ça qu'est-ce que tu vas faire ? Voilà. polémique, parce que beaucoup d'autres acteurs de l'e-sport aimeraient aussi pouvoir avoir des financements pour organiser des tournois, etc. Ils ont souvent eu porte close à la région Île-de-France. C'est plutôt souvent les municipalités qui les aident. Donc espérons que ça fasse avancer le sujet pour d'autres tournois qui se créeraient dans le futur. Et puis plus largement, au-delà du secteur du jeu vidéo, on imagine bien que les petits clubs de sport seront ravis d'apprendre et de suivre ce dossier. Petit soutien à Canard PC qui a passé cette semaine, qui a lancé un Ulule ce lundi, oui. Pour passer outre la purge organisée par Prestalis pour renflouer son déficit. Voilà. Disons que quand même taxer le chiffre d'affaires des petits éditeurs, quitte à les laisser crever, c'est pas forcément le truc le plus sympathique du monde, mais il s'est avéré que Canard PC avait besoin de 100 000 euros pour passer cette période difficile et qu'ils ont atteint leur objectif en moins de 24 heures. Et là, ils en sont à 150 000. Alors, en 5 jours, ils en sont à 152 000 euros. Là. On a 152 000. Alors, je vous donne la cagnotte à l'instant T. C'est 151 909 euros. Voilà. Ce qui est quand même. Continuer. Donc, les 150 000 euros leur permettent d'être tranquilles pendant 5 ans. Voilà. Par rapport à Prestalis. Moi aussi, je serais bien pendant longtemps. Je sais pas si t'imagines. Ils sous-entendent juste qu'en fait, 150 000 euros, ça va leur servir juste à pouvoir payer la taxe qu'il aurait dû ponctionner par Prestalis. Bah, oui, hein. Ça veut dire. T'imagines combien il ponctionne Prestalis sur 150 000 euros. Ouais, mais un truc comme Canard PC qui fait presque peanuts de revenus, quoi. En tout cas, on sera ravis de suivre ce dossier. Et n'oubliez pas, avant la pause, parce que désolé, il faut aller vite. Ouais. N'oubliez pas, surtout si vous aimez un journal, si vous aimez une rédaction et que vous avez les moyens de la soutenir, abonnez-vous. C'est toujours mieux que d'aller la chercher au kiosque. Voilà. On referme ce petit point news, c'était très rapide, et puis tout de suite on s'écoute, et je crois entendre Damien tousser. Damien, es-tu avec nous ? Salut ! Ah ! Damien ! Est-ce qu'on peut monter un petit peu le son de Damien, s'il vous plaît ? Ouais ! On peut pas le monter ! On va régler ça pendant la pause musicale, on s'écoute Satellia Young, et on revient tout de suite après. De retour en plateau pour Hyperlink numéro 50. 50 déjà. Et oui, c'est la fête. Merci pour la motivation. C'est la fête. Youpi, c'est la fête. C'est la fête. Alors les enfants, on n'a pas le temps. Donc Damien, on te fait plein de bisous. Ça, comment vas-tu ? Non. Ça va. Nickel. On peut vraiment pas monter Damien un peu plus ? Si, on peut. Très bien. Alors, les enfants, c'est le premier jeu de cette émission où on va se faire plaisir. C'est le jeu de l'imposteur. Ouh. Alors, celles et ceux qui étaient présents en plateau le week-end dernier le savent. On a joué à débusquer le faux nanar dans la mêlée. Et donc, cette semaine, on va débusquer des imposteurs dans différentes questions. Vous avez donc 4 propositions. Une seule bonne réponse, à savoir la bonne réponse, c'est l'imposteur dans la liste. Donc, par exemple, si je vous dis lequel de ces super-héros Marvel n'existe pas et que dans la liste vous avez Spider-Man, Tornade, Wolverine et Batman, la réponse c'est Wolverine, évidemment. Évidemment, c'est Batman, voilà. Donc c'est bon, tout le monde a compris ? Ouais. Oui. Très bien, nous avons donc l'équipe bleue de ce côté-là du plateau avec Alexis, oui. Titouan, Florent. Oui. Et l'équipe rouge de l'autre côté avec Pierre, Hildebrando et Lorraine. On est parti donc pour le jeu de l'imposteur.
venir là. Bonjour. Voilà. Ah ouais, mais du coup, nous, on a pas les casques. Eh, vous avez pas les... Ah bah oui, non, mais faut le mettre, ton casque. Eh bah, faudra du son dedans, alors. MDR, alors. Donc, nous avons donc différentes questions, avec donc plusieurs bonnes réponses. Les enfants, la première part tout de suite. Est-ce qu'on l'a derrière moi? Non. Nous ne l'avons pas derrière moi. SVP. On l'a sur non, on l'a là. Ah non, on l'a sur mauvais écran. Ah, mais nous, on doit pas regarder. Je tiens à féliciter la régie qui, pendant 50 belles émissions, a fait un travail. C'est bon, elle est sur voilà. Toute épreuve. Nickel. Donc là, on entend, on voit bien, c'est bon. Bah non, c'est parce bon, que t'es devant en fait. Mais okay. Oh, alors, lequel les... Bah si, c'est bon. Là, attends, mais ça, c'est l'émission de la semaine dernière. Mais non, parce qu'il y a d'autres, réponses. Il a remis des nanars. Tu vois, que vous avez remis des nanars la semaine dernière. Mais oui, mais si on n'est pas venu à celle de la semaine dernière, c'est pas pour. Alors, nous avons rien. Lequel, s'il vous plaît, un peu de concentration, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir le bon écran derrière l'équipe bleue, s'il vous plaît? Ok. Alors. Non, mais c'est la fête. C'est la fête. C'est très bien. Alors. Là, c'est pour l'équipe rouge. C'est équipe bleue. Équipe rouge. Donc vous jouez en même temps. Hein. Ah ok. Et en fait, si vous vous gourrez, c'est l'équipe d'en face qui a le point. D'accord. Nous, on équipe rouge. Bah, oui, non, mais c'est nous, l'équipe bleue. C'est d'un niveau de schizophrénie là. S'il vous plaît. Alors. Derrière Karel. Lequel de ces nanars n'existe pas? Réponse A. Killer Clowns from Outer Space. Alors ça, c'est pas un nanar. Je suis désolé. Ouais, c'est plutôt un bon film. C'est un excellent film. D'accord. Alors donc déjà, bravo. Réponse B. Bloodsuckers from Outer Space. Réponse C, Gay Niggers from Outer Space. Réponse, oh là là là. Réponse D, Sexy Vampires from Outer Space. J'espère que c'est pour toi que tu n'arrives pas à les J'espère que tu n'as pas inventé la réponse C parce que sinon tu es très mal barré, Karel. je vais avoir des problèmes. Je pense que c'est Bloodsucker. Il me semble que Sexy attends, Vampire, attends, ça existe. Il faut verrouiller le buzzer. Attention, alors. Il n'y a pas de buzzer. Il n'y a pas de buzzer. Mais non, c'est la réponse. Alors, est-ce que c'est là? Est-ce que c'est tu donnes la main à quelle équipe? C'est la question. Vous, non, mais, vous, non, mais c'est le premier qui se manifeste. Bon, voilà. Et si vous avez la mauvaise réponse, c'est. Alors. Réponse. Vous dites réponse C? Non, pas réponse C. Il a dit réponse C. Lorraine, tu t'es manifesté en premier. À la réponse B. Réponse B, dans l'équipe. Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Mais ça fait deux fois sur les vampires, t'as raison, c'est bizarre. Hein. D'accord, donc vous partez sur réponse B, Bloodsuckers. Et non, c'était Sexy Vampires from Outer Space qui existait. Ah, mais j'avais raison. T'as vraiment. Nous, on récupère pas la main. On récupère pas la main derrière, vous avez dit qu'on récupérait la main. Vous récupérez le point. Ah, d'accord, ok. Ok, c'est mieux. Merci, Lorraine. Je pensais qu'on récupérait la main et qu'après, il fallait donner la bonne réponse. En fait, faut absolument pas qu'on fasse le chat. Parce que du coup, il y en a qui disent « Ah, mais j'ai ça, non, ça évidemment, c'était le mauvais jingle, c'est pas grave. Vous avez donc un point pour l'équipe bleue. Oui. Deuxième question, lequel de ces Digimon n'existe pas? Oh, alors là, je vais vous déboîter. Réponse, vas-y, je te laisse la réponse, plutôt. Réponse A, Black War Greymon. Réponse B, Mega Darkness Vagramon. Ah non, je réponse C, Tiger Vespamon. Réponse D, Hercule Garudamon. C'est la C. C'est la C. C'est la C? Non, il l'a dit avant. C'est la C, la bleue, vous dites la C? Ouais. Ok, alors la réponse c'était Hercule Garudamon. Merde. C'était la dé- Allez, c'est un partout. T'as dit la C aussi, Oui, mais plus, tu l'as dit d'abord. Alors, vous niquez les oreilles de vos auditeurs, c'est pas grave. Alors, on s'en fiche. Alors, réponse, il est on fire, Pierre, c'est la version canadienne, ça. Réponse, alors, question 3, nanar partie 2. Lequel de ces nanars n'existe pas? Alors, cette fois-ci, c'est une spéciale Coplan. Est-ce que vous connaissez Coplan? Non. Alors, pas du tout. Coplan, c'est un OSS-117 du pauvre, qui est lui-même un James Bond du pauvre. Donc voilà, vous, si, c'est le pauvre au carré. Alors ok, on s'expliquera plus tard sur le SAS. Oui. Le, alors ok, un SAS du pauvre si tu préfères. Ah d'accord, voilà. C'est mieux. Alors, Coplan, alors réponse, réponse A, Coplan prend des risques. Réponse B, Coplan double la mise. Réponse C, je ne connais pas Coplan. Coplan ouvre le feu à Mexico. Réponse D, Coplan FX-18 casse tout. Ça c'est du truc du roman de gare. C'est le A ou le D. Je pense pas la D. Vas-y la A. On fait ça? Je vais prendre la main. T'es sérieux sur la A? C'est votre dernier mot? Je mettrais la D quand même. Bah la D, la D. La D, la D. L'équipe bleue, c'est la D. Vous bloquez? La D. Et maintenant, Coplan FX18 casse tout existe. C'était Coplan double la mise qui n'existe pas. Voilà. Ah ouais. Tu vois, de toute façon, on n'avait pas. Les gars, c'est bien, on va tous gagner, mais sans avoir marqué un seul point. C'est bien. C'était la. La prochaine, on vous la laisse du coup commencer. Ah, pas de soucis. C'était donc la discrétion. Le mec qui se cache.
C'est bien Copland ou pas alors Copland, Copland, oui. C'est rigolo. Alors, ça a marqué lequel de ces nanars? Voilà. Je pense que ça t'indique à peu près. Il y a des nanars qui sont bien. Non, mais en gros, c'est une licence française, réadaptée par les Italiens, etc. Ah, d'accord. Il y a pas mal de choses. Avec 18 cassous, ça n'a pas l'air. Alors, quatrième question, lequel de ces animés traduit littéralement n'existe pas? Donc, je traduis littéralement le titre de l'animé. Attention. Lequel de ces Pokémon on a là? Lequel de ces animés? Question 4, STP. Lequel de ces Pokémon? Bon, bah, très bien. Lequel de ces Pokémon? On va zapper cette question. Alors, lequel de ces Pokémon? Très bien. Alors, chaud, là. On a la question des Pokémon. Alors, tac. Je suis chaud. Pokémon. Ah, on est repassé au. Non, ah. Non, c'est bon. C'est bon Pokémon, là. On est sur les Pokémon? On est sur les Pokémon. Ah, alors, on est parti. Réponse A, Chenizel. Non, mais attends. Qu'est-ce qui se passe? Attends, c'est bon. Voilà, voilà, c'est bon. Lequel voilà. de ces. Non. Que se passe-t-il? On est sur les animés. En régie, ils ont trop fait la Saint-Patrick depuis deux jours, apparemment. Pas, on fait à l'oral. On fait à l'oral? Ouais, ok, ouais. C'est pas grave. Alors, lequel de ces animés traduits littéralement n'existe pas? Réponse A, je ne pouvais pas être un héros, donc je me suis inscrit à reculons au club de poterie. Ça existe, c'est sûr, ça existe. Réponse B, les enfants à problème viennent d'un autre monde, n'est-ce pas, pour l'interrogation. Réponse C, je n'arrive pas à comprendre ce que raconte mon mari. Ça existe aussi, oui. Réponse D, mes choix psychologiques court-circuitent totalement ma comédie romantique lycéenne. C'est la B. Pour vous, c'est la B? Ouais, je sais pas, je valide, mais la je suis pas sûr. La B existe. Je suis pas sûr, mais ouais. je vous suis, les gars. Ouais, ils ont qu'à Laquelle est laissée se tromper, non? On les laisse se tromper. Ouais. Allez-y. Moi, je fais confiance à Pierre, donc. Donc, toi, tu dis quoi, Pierre? La B, allez. La B? Alors, c'était la A. Bravo, les gars, bravo. Bravo, les bleus, bravo. Juste, est-ce qu'on peut essayer de faire en sorte que l'équipe en face donne sa réponse? Juste à un moment, parce que sinon, okay. Ça va être. Mais sur le chat, on a Dr. M. Shark qui nous dit que c'est le jeu où tu gagnes grâce aux échecs de tes adversaires. Et effectivement, c'est un animé, quoi. C'est un petit peu ça. En fait, c'est la stratégie de laisser l'autre répondre. Alors, effectivement. Mais là, sur Pokémon, on va les avoir. C'est très Sun Tzu, en fait. Fais attention, parce que sinon, je te fais le poker. Non, mais le Pokémon, ça va. Alors, la bonne réponse, en fait, la réponse A, c'était. Un mélange entre un animé qui existe et un autre. En fait, c'était le vrai animé, c'était je ne pouvais pas être un héros, donc je me suis inscrit à Pôle emploi. C'était un piège. Ah, alors, putain, on connaissait l'original. Question suivante. lequel de ces animés traduit littéralement n'existe pas donc. Partie 2. Attention. Ah. Non, on dirait qu'il y a quelqu'un qui aime bien les animés autour. Alors, du plateau, réponse, hein. Réponse A. Même atteint du syndrome de la deuxième année de collège, je veux connaître l'amour. C'est bon. Réponse B. Un monde barbant où les blagues graveleuses n'existent pas. Réponse C, est-ce que c'est mal de draguer des garçons dans un donjon? Réponse D, on peut prendre le problème dans tous les sens, mais c'est votre faute si je ne suis pas populaire. C, D, ça existe. Merci Pierre. Moi je pense la B, la B les gars, la B. La B, non, je pense que les japonais... Pierre, si tu le sens, vas-y. Hein. Enfin la première aussi. La B, ouais. Mm-hmm. Moi je vous dis rien, je les connais tous. La B. Damien, c'est la voix de Dieu, il tranche à la fin. Les B. Allez. Les bleus, vous dites la B? La B, allez. Okay. Alors, un monde barbant où les blagues graveleuses n'existent pas existe. Oh. Ah, il n'a pas répondu, c'est une seule le point. Alors, juste pour l'histoire, c'est une série. C'est une série qui déroule dans un. Tout à fait. Damien, donne-nous le pitch. Ah oui, merci. Shimoneta, ah bah c'est des terroristes du cul. C'est Shimoneta. Ah oui, c'est Shimoneta, voilà. C'est des terroristes avec des culottes sur la tête qui évangélisent les jeunes masses à l'éducation sexuelle, voilà, c'est fantastique. Dit comme ça, ça a l'air fantastique. Du coup, oui. ça fait bien 5 questions sans bonne réponse. Ça fait donc 5 questions, et comme on n'a pas le temps, je crois qu'on va peut-être passer à d'autres. Mais nous, la Pokémon, non, les Pokémon. D'accord, très bien. Alors, encore deux, parce qu'il faut que ça finisse. Sinon, on fait la grève à la Afghan System. Il faut que ça finisse sur un score impair. Lequel de ces Pokémon n'existe pas? Il y a un score impair. Réponse A, Chenizel. On est à 5 là, donc le prochain c'est 6. Chenizel, Trépassable. Il existe. Réponse C, Crabaston. Il existe. Ouais. Réponse D, Archéoptérix. C'est la A, vous dites? Équipe bleue, ouais. C'est la A? Ouais. Et bah, Chenizel existe. C'est l'évolution de Chenity avant qu'il se transforme en Papilord. Le D, et Archéoptérix existe aussi. Ah ouais. Il est dans c'est très passable. Il est dans noir et blanc. Très passable existe. C'est très passable. C'est vraiment des grosses. Non, c'est autre chose. En fait, c'est Crabagar. Mais ça, t'as pas le droit, ça, Karel. T'as pas le droit. C'était un mot valise entre Crabagar et Carabaston, qui était le nom initial de Carabaf. Voilà. Il fallait le savoir. Désolé. Non, il fallait pas le savoir. Mais c'est pas grave. Alors ensuite, dernière question du coup, parce qu'il faut quand même qu'on avance, il est déjà 16h45. Lequel de ces jeux pourris n'existe pas? Nous sommes sur une égalité parfaite. K2000, alors, réponse A, Jaws Ultimate Predator.
Réponse B, Paris-Marseille Racing, c'est Police fait, Madness. Non, ça, non, il est grave. Réponse C, Police M&M's Madness. Kart Racing. Ça, ça existe. Réponse D, Crazy Frog Racer 3. Bah, c'est la B. Non, tais-toi. Police Madness, je suis pas sûr. C'est, moi je dis la B. C'est la B par la Police Madness. Pensez qu'ils ont fait 3 Crazy Frog Racer. Ouais, ils en ont fait 3. Ouais. T'es sûr? Ouais. Je pense que c'est la B parce que c'est pas Police Madness. Ou alors c'est la Paris Marseille. Mettez-vous d'accord. T'as raison, Titouan. La B. La B. La B. Attends, on va pas laisser se tromper encore. Vas-y, Titouan, c'est bon. Titouan. C'est la B? C'est la B. Alors, Paris Marseille, il reste. Racing, Police Madness existe. Oh, bien sûr. C'est Paris Marseille Racing 3 en fait tout simplement. Ah ouais. Et M&M's Kart Racing existe. Joe's Ultimate Predator existe. Et c'était Crazy Frog Racer 3. Ils en ont fait que deux. Ils en ont fait que deux. Le 2 était tellement nul que j'ai cru qu'il y avait eu un 3 en fait. Le 2 est une horreur. Non effectivement c'était un peu triste. Effectivement sur le chat je vois qu'on a l'anecdote, c'est Johnny Zelmal qui évolue en Papy Lord. On n'a pas donné une seule bonne réponse depuis le début du jeu. Ce jeu de l'imposteur montre qu'on est tous des imposteurs en fait. C'est ça, tout à fait. Voilà. C'est très méta en fait. Merde. Est-ce que vous voulez finir le jeu? On passe peut-être un segment de discussion. On passe un segment de discussion. On passe à l'aise. On se détend. On passe tout après ça. Histoire de. Écoute, j'ai envie de dire, il y a combien? C'est quoi le score, la régie? Nous sommes. Le score, on est à 4 pour l'équipe bleue. 4 pour l'équipe rouge, pardon, et 3 pour l'équipe bleue. Ah bah ça va. Comment c'est possible? Il y a 5-2, 4-3. Ouais. Non, il n'y a pas 5-2. Il y a 4-3. Allez, merci. Il y a 4 à 3. Et si, moi je vais contester, hein, je suis désolé. Je vais saisir le syndicat des jeux télévisés à la radio. Monsieur McEnroe, vous sortez du cours. Et c'est quelque chose qu'il aurait pu dire. Les amis, on va quand même peut-être un petit peu revenir sur l'histoire de notre émission, si vous voulez bien. Non. Hyperlink. Hyperlink, c'est donc la 50e émission qui est née de l'imaginaire de Amaury, qu'on aurait aimé avoir en plateau, mais finalement il est un petit peu en retard, donc on va peut-être. On va pas l'attendre. On ne va pas l'attendre. Donc on va peut-être s'adresser d'abord au cofondateur de l'émission, Titouan IDB. Vous étiez là depuis le début. On est cofondateur. Est-ce que vous. Bah oui, vous êtes. Reprends-toi. Alors. Ah non, celle-là, je m'attendais pas. Titouan IDB Brando, vous n'avez pas honte? De ce qu'on a fait? Ouais. On a créé un monstre? Ah bon, je sais pas. Ouais, on a rien créé du tout. Hein. Je suis désolé, moi, ça fait bien lurette que j'ai lâché le contrôle sur cette histoire. Comme on me le rappelle chaque putain de semaine, t'inquiète pas. Oh, putain. Bah. Ouais, je sais. Bon, au final, ça a bien marché quand même. Ouais, bon, ça, je sais pas. C'est pas mal. On a eu des invités, quoi, au cours de. Ouais, ça. Hey, c'est pas à toi de parler, s'il te plaît. Alors. Moi, de façon. Monsieur, je. Moi, de façon, je déteste ce projet. Moi, je fais ça que pour l'argent, je tiens à vous le dire. Voilà. Parce qu'on brasse des millions, les gars. Moi, je fais ça pour la YouTube Money, alors je vous emmerde. Abonnez-vous surtout. La Twitch Money, oui, abonnez-vous sur Twitch, effectivement, et sur YouTube et aussi. Et Amazon ça. Prime. Et Amazon Prime et Twitch Prime. Et donner des Prime. Et donner des Prime à tout le monde. Et des cheers. Et des cheers. Alors d'ailleurs, on a une petite notification sur l'écran du chat, effectivement, envoyez un cheer maintenant pour être numéro 1. Oui, parce que personne n'a donné de cheer, alors il suffit de donner un cheer. Ça. Voilà. S'il vous plaît, le cheer. Donnez-nous un centime. Si tu veux être le number one. Donc effectivement, voilà, après Alexis, tu nous as rejoint, si tu dis pas de bêtises. Bah, oui. Un jour, je serai le meilleur cheerer. Et après, pour Mario, pour Pokémon, que du Nintendo. Et que du Nintendo. Non, depuis un peu plus largement, depuis que je joue à PUBG avec IDB, j'ai ouvert mes opinions. Il a été à beaucoup de jeux. Et non, on a bien grandi, on a eu comme des bons invités, comme tu le disais avant d'être coupé par Titouan, Pierre. Notamment, on va pas faire la liste, mais c'était cool. Oscar Lemaire, très bon invité. Hein. Ouais, bah oui, excellent. Il est autant en retard qu'Amaury pour l'instant, donc on verra. Tous les espoirs sont permis. Tous les espoirs sont permis, effectivement. Et les 50 prochains épisodes annoncent d'être aussi plus intéressants. Enfin, très bien. Ouais. Voilà, effectivement, pas mal. On a pas mal de jolis projets pour la suite. On va peut-être donner la parole à Lorraine, Florent et Pierre, qui vous êtes arrivés un petit peu après Alexis. Oui, un peu en retard. Alors, voilà, comment, quand vous êtes arrivé. Tu es le dernier arrivé, non, dans la bande. Tu es le dernier arrivé, ouais, tout ça. À fait. Donc, comment vous avez, voilà, comment vous avez embarqué dans le projet À la base, c'était toi qui m'avais proposé de rejoindre la bande. Puis, ouais, ça. Enfin, alors, moi, j'étais que rédacteur pour VL, puis quand j'ai écouté Hyperlink, je me dis, ah putain, j'aimerais bien faire quelques émissions de temps en temps, quoi. Après, tout était venu naturellement par la suite, quoi. Et puis t'avais fait pas mal de critiques aussi, t'avais fait quelques-unes, oui. Three Billboards avec tes petites jingles, je les ai encore sur la palette si tu veux. Ouais, il dure 20 secondes, donc on va pas le faire. Non. mais effectivement, voilà, t'étais un petit peu la caution Japanimation avant que Damien nous rejoigne.
Damien, il rigole, c'est tout. Voilà, ouais, Damien, je viens de débarquer, je suis le dernier. C'était un coup de pied sous la table. Mais, si tu veux t'exprimer dès maintenant, tu peux. Hein, on fait, la transition est offerte. Non, bah non, moi je suis le dernier. De toute façon, j'ai pas grand chose à dire. J'ai à peine d'arriver. Mais je me sens bien, c'est cool comme endroit. C'est pour une place. Assieds-toi, on t'a préparé une tisane. Et donc, oui, Lorraine. Il y a le sucre. Alors, Lorraine, comment es-tu arrivé dans Hyperlink? Je me souviens plus, moi, c'est pour ça. Est-ce que je peux dire que j'ai couché? Ouais. Elle a couché pour réussir. Alors, je suis désolé, je tiens à préciser. Alors, c'est tous ici. Effectivement. Alors, PJ. N'est-ce pas PJ? Alors, effectivement, on peut le dire en toute transparence auprès de nos auditeurs, je pense. PJ et toi, vous entendez très bien. Mais t'es sérieux? Mais laisse-les tranquilles, wesh. Tu veux qu'on parle de tes pratiques sexuelles, Karel? Bah, vas-y, hein, on avait dit en off, mais tu t'es pas gêné. Donc, bon, ça va être très court, vous inquiétez pas. Passons au segment suivant. Et donc Lorraine, toi tu t'es arrivée pour parler plutôt de cinéma de genre et... Plutôt ciné, ouais. Okay, donc parce que surtout ça coïncidait avec mon arrêt chez No Life où j'étais chroniqueuse aussi, un peu sur des trucs un peu random. Et donc là un peu faire plus ou moins le même exercice que chez eux, ici. D'accord, très bien. Bah voilà, écoute... Et du coup, comme j'avais des facilités pour rentrer ici, Tu connaissais déjà des gens dans la place, c'était pour oui. ça. Oui, on a un morceau de arrivé. La fameuse technique du pied dans la porte. Et toi, Florent? Je sais pas si tu te rappelles comment on s'est rencontrés, Karel. Alors, c'était lors d'une soirée arrosée à la PG du... Oh bah, ça part bien, tu vois. Non, alors attends, parce qu'on revient sur le sujet d'avant avec Karel. Hop, c'était au Kawaii d'abord. Ah oui, au Kawaii d'abord. First date Odessa. Attention à l'écran, IDB. Donc au Kawaii Café et après à la PGW. On a discuté tous les deux, on a bien matché. Tu m'as d'abord invité à l'émission. Après, on a fait des choses ensemble. Mais sur Tinder ou sur Grindr, c'est ça le problème. La France veut savoir. Et après, de fil en aiguille, je suis venu intégrer l'équipe, raconter des bêtises et gueuler dans un micro. Voilà. Je fais bien. Ta chaise. Et accessoirement, c'est moi qui procure les jeux pour l'émission quand j'y arrive. Et voilà. En ce moment, Dieu sait si on a des choses dans le pipe, plein de belles surprises pour les prochaines émissions. Oh. On n'hésitera pas, effectivement. Voilà. Oui. Wink wink, n'est-ce pas? Mais pour l'instant, c'est NDA, donc on peut pas dire. Il y en a un qu'on peut dire. Je suis en train de tester le NDA, il est passé, donc ça arrivera bientôt. Mais je fais Attack on Titan 2 là en ce moment. D'accord. Et c'est cool. C'est cool. Voilà. Donc on en parlera plus tard. Alors moi, le mien, je suis en train d'y jouer, mais j'ai pas le droit d'en parler. Non, c'est la semaine prochaine. Donc, a priori, le jeu devrait sortir vendredi prochain. Moi aussi, j'ai un NDA, hein, si vous voulez faire les Mario. Là. Alors, vas-y. Ah oui, c'est vrai, t'as un gros NDA, toi. Ça va être une émission, je pense, pour le retour de... Pour le retour de Numa, très belle édition. Les amis, il faut qu'on avance. Est-ce que ce serait pas l'heure du Time's Up? Est-ce que Seb est en régie? Est-ce que Seb s'en occupe? Est-ce que Seb a les papiers? Seb a la corbeille? Oh là là, c'est fantastique. Seb a une casquette. Il va maintenant passer, faire la quête. Si vous pouviez donner ce que vous pouvez, c'est déjà trop. Ouais. Et donc, les amis, on est parti pour le Time's Up avant la pause musicale. Et Seb entre en plateau. Tan 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 tan. Bonjour Sébastien. Tan 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 tan. Tan 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 tan. Pa 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 pa. D'accord. Okay. Donc là, pour l'instant, l'équipe bleue, c'est pas les règles du Time's Up, okay. C'est pas grave. Non, okay. mais parce que le but, c'est qu'un membre de l'équipe fasse deviner aux deux autres. Non, vous comprenez? Pas compris, mais c'est pas grave. Bah écoute, bon. On fait notre Time's Up. Alors, les règles sont simples. Chaque candidat a 40 secondes pour faire deviner à ses coéquipiers le mot en gras sur sa carte en prononçant au maximum 3 mots et sans dire les mots interdits notifiés sur la carte. C'est bon? Allons-y. Alors. On a dit que c'était pas un Time's Up, on a dit que c'était un tabou pyramide. C'est différent. Ah, effectivement. Alors. C'était trop long dans le... Qui a un chronomètre, s'il vous plaît? Time's Up, c'est dans l'air du temps. Attends. Donc là, c'est Pierre qui joue et qui doit faire deviner à Idée Brando et Lorraine. Et ensuite, ce sera Idée Brando qui devra faire deviner à Lorraine et Pierre. Vous comprenez le principe. Il a 40 secondes pour un mot. Non, il a 40 secondes pour faire autant de mots qu'il peut. Pour faire autant de mots qu'il peut. D'accord. Top. Acteur. True Survivor. Jean-Claude Van Damme. Oui, un point, bravo. Excuse-moi, pardon. Ensuite, bah, continue à piocher. Allez, Pierre, il faut aller vite. Hein. Studio.
froid. Frostbite. Oui. Blizzard, bravo. J'ai oublié de le faire la première fois, pardon. Wow. Loren Guy. Steampunk. Top. Top. Tu remets le papier. Tu remets le papier. Je comprends pas l'intérêt des mots interdits en fait. Bah parce que c'est du Time's Up, c'est que ça oblige à aller vite. Ah, mais si t'as Mario à faire gagner et tu dis casquette rouge, oui, moustache. C'est pas grave. Alors stop s'il vous plaît, les amis. On avance. Attention. Top. Robot, esprit, animé. Ghost in the Shell. Oui. Bravo. C'est ta seule chose. Death Stranding. Kojima. L'autre. Metal Gear Solid. Non, l'autre. Ah, Guillermo del Toro. C'est bien, on l'a entendu au travers de la régie. En fait. Je passe. Le Joker dans les jeux vidéo Batman. Marc Hamill Oui. C'est dans les animés. Et dans les jeux vidéo aussi. Dans les jeux vidéo aussi. J'ai vu que les animés. Avengers, Romanov. Top. Alors celui-là, il est sorti, donc tu remais pas dans le chapeau en revanche. Bon, ok, d'accord. C'est parti du jeu, très bien. Et Lorraine, pour finir. Tu as donc Lorraine 40 secondes. Ils en ont 5. Top. Ah, elle passe deux fois là. Si c'est pas dans le cinéma, elle connaît pas. Animaux, combat. Pokémon. Ça va. Un point. Wow. BD. Personne bleue. Je trompe. Non. cyberpunk. Enfin, plus ou moins cyberpunk. Angie Bilal. Ah. Oh, bien. Joli. Habile. Stop. Stop. Ah ouais, il y a vécu des trucs que je connaissais pas. Donc nous avons, attention l'équipe rouge, 1, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 points pour l'équipe rouge pour le moment, c'est pas mal. Contre 3 pour l'équipe bleue, vous aurez l'occasion de vous rattraper à l'occasion du prochain. Mais il en reste combien ? Time up, on va en... C'était plus facile de commencer. Tout à fait, bah vous allez voir, on peut tout de suite savoir si nous on défonce. Au pire, si vous n'êtes pas content... Non, il en reste plus que 8. Si vous n'êtes pas content, on peut en réimprimer pendant l'émission. Non, mais il en reste assez, c'est bon. Très bien, bah les enfants, à la suite de ce Time's Up, on va s'écouter une autre pause musicale et cette fois-ci, ça va être du JoJo's Bizarre Adventure. A tout de suite. Ah, ça c'est nouveau. De retour dans Hyperlink numéro 50, c'est toujours la teuf autour du plateau. Ouais, alors pour rappel, c'est une émission orientée jeu, donc avec beaucoup de jeux, beaucoup de petits quiz, etc. Nous avons pour l'instant l'équipe rouge, composée de Pierre, d'Ildebrando et de Lorraine. Ouais, éclate l'équipe bleue. Qui ont 10 points, bah parce qu'ils ont fait le Time's Up. Ouais, mais vous avez fait un jeu de plus. Vous avez la deuxième manche du Time's Up qui vous permettra de vous rattraper. Équipe bleue, Alexis, Titouan, Florent, vous êtes on fire. On est on fire. Vous êtes chaud. Attends, je veux juste comprendre un truc. Comment ça fait qu'ils ont 10 points alors qu'ils ont fait 8 bonnes réponses là. Ouais, non, parce qu'il y avait déjà le jeu d'avant. Mais le jeu d'avant, on avait 2 points d'avance. Ils avaient 4. Attends, montre-moi le nombre de balles. Là, il y en a 8. On a fait 4 points avant, on est à 12. Il doit avoir 12 points, bah, très voilà. Bien. Écoutez, les enfants, t'as vu, c'est moi qui quand même vois. Ouais, mais c'est gentil, mais t'inquiète pas que j'ai le choper au passage. Ouais, je suis fair play. C'est honnête, donc 12 points pour l'équipe rouge. Écoutez, voilà, très bien. Là, pendant ce temps-là, Alexis, dis-toi, te fusille du regard, c'est parfait. Oui. Les amis, nous allons passer donc. Bah, c'est vrai qu'Alexis, il a les yeux revolver. Nous allons passer, les enfants, on n'a pas le temps au sel ou poivre. Écoute ta meuf, Alexis. C'est comme ton micro a été muté. Et vous avez parlé sur les jingles, donc l'auditeur n'entendra rien, c'est pas grave. Les amis, donc c'est un sel ou poivre, on n'a pas le temps de faire les deux, je vais en faire qu'un seul. Ce sera donc celui qu'on avait prévu avant. Illustrer un petit peu les règles du sel ou poivre. Hein. Je vous donne une réponse, une deuxième réponse ou les deux. Là, en l'occurrence, c'était dans l'autre quiz que j'aurais pas le temps de vous faire, Mimi Cracra, Mimi Sicu ou les deux. D'accord. Ok. Ça ait du sens. Donc du coup, bah, drôle surtout. Pour la spéciale Balak, on avait fait Balak, Galak ou les deux. Voilà, par exemple, Bastien Vives, Gérard. Doudou Galak. Voilà, ça, je comprends pas. En fait. Bastien Vives, Gérard Vives ou les deux. Par exemple, si je te dis. si je te dis, Titouan, blanc. Bah les deux, parce que Galak c'est blanc et ah Balak oui, mais est blanc. Ah mais il y a un autre mot après, d'accord. Oui, voilà. Ah oui, mais si t'expliques comme ça, sans finir. Non, mais pose des questions, voilà. Vas-y, balance. C'est parti. Celui qui est blanc. Alors, donc le sel ou poivre du jour, ça va être donc Kiryu,
donc le héros de Yakuza, Kiriku, ou les deux. Oh là, Kiryu, Kiriku, les deux. Alors, Kiryu, c'est quoi? Kiryu, c'est le héros de Yakuza. C'est un Yakuza de 2 mètres de haut. D'accord. Voilà. Donc, Yakuza, c'est quoi? C'est un jeu vidéo japonais. Écoutez, il n'y a pas de problème. Sega. Vous avez Pierre dans votre équipe, tout va bien se passer. Vas-y, vas-y. C'est parti. C'est s'habiller. Les deux. Les deux. Les deux. Bah non. Bah non. Bah si. Kiriku, il est tout nu. Kiriku, il est tout nu. Est tout nu. Ah mince, oui, c'est vrai. Bah oui. Voilà, donc ça fait un point pour nous. Allez, hop. Un point pour l'équipe rouge qui passe. On est encore sur les échecs qui donnent des points aux autres. Alors attention, fort comme un bœuf. Les deux. Kiriku. Les deux, les deux. Les deux, bravo. Effectivement, et faut que je passe ce petit jingle à chaque fois. Ça vite, hein. Effectivement, fort comme un bœuf, les deux aident les gens. Les deux. Les deux, bravo. Non, Kiriku, il est pas fort, il court super vite, mais il est pas fort. Allez, hop, un point de moins pour vous. Il est... Allez, donc, point pour l'équipe bleue. Attention, intimidant. Kiriku, bien. Attends, il est fort ou il est pas fort, Kiriku? Je peux Kiriku savoir à qui on donne les réponses, pourquoi? Il est parti, non, point pour l'équipe bleue, point pour l'équipe bleue. Donc ensuite, né dans les années 2000. Les deux. Les deux. Les deux, bravo, équipe rouge. Japonais. Kiryu. Ah, attendez, là on a un battle, donc vite, vite on fait un Shifumi. Alexis, Pierre, double sur la réponse d'après. Shifumi. Voilà. Allez, yes, bon. Point pour l'équipe bleue. Très bien. A du succès auprès des femmes. Les deux. Bah les deux. Les deux. Les deux, les deux, les deux. Il se tape Karaba la sorcière, le petit, quand même. Excuse-moi, Karel. Juste si toute notre équipe dit une réponse différente et que toute leur équipe dit une réponse différente et qu'on dit tous en même temps, à un moment, tu fais comment pour déterminer les points? Non, moi, j'ai dit fort les deux. J'ai gagné, c'est tout. Bon, alors, bah écoutez. C'est celui qui dit le plus fort. C'est celui qui parle le plus fort. Voilà. Et enfin, et n'hésitez pas à vous concerter pour éviter effectivement ce genre de situation. Oui, mais on n'a pas le temps. Combat des méchants. Les deux. Les deux. Les deux. Oh, bah non. C'était c'est vous en premier là? Non, c'était. C'était IDB en premier, très bien. Un point pour l'équipe rouge. Et donc, nous avons. Est-ce que vous avez bien compté vos points SVP? Parce que je suis assez. Bah non, donc, on sait même pas à qui tu le donnais le point, putain! Nous, tout ce que je sais, c'est qu'on perd. Hein, de toute façon, donc, je sais pas, on a gagné un chiffon. Moi, j'ai 5. Moi, j'ai eu 9 questions. J'ai 5 points pour l'équipe bleue et 4 pour l'équipe rouge. Ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est bien comme ça. Ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17 pour l'équipe rouge, ouais. Et l'équipe bleue 1, 2, 3, 4, 9, 5, 6, 7, 8. Vous avez 8. T'as, c'est sûr qu'ils n'iront pas te chercher pour question pour un champion, toi. Hein. Ah non, on a 9. On a 9. On a 9. 8, c'est avec 4, 3, plus 5. Ah oui, 8. Allez, putain, on a 9, des donc... mecs, ils ont été après le bac ici. Hein. Bravo les gars. Et une fois encore, je utilise le mauvais jingle. C'est pas grave, on va donc se détendre un petit peu, les gars. Je propose maintenant qu'on discute un petit peu de vos découvertes que vous avez pu faire dans l'émission. Les jeux, les gens que vous avez pu rencontrer, tout simplement, voilà, les bons souvenirs que vous avez pu avoir. Ça peut être les jeux en on, les jeux en off, étant donné qu'on stream pas mal. Moi, a priori, au niveau du stream, j'ai mon anecdote, mais je vais peut-être pas commencer. Donc sur Bloodborne, peut-être. Ah, si, vas-y. Vas-y, on a allez. Bien découvert Bloodborne. Bon, alors, pour l'émission, on avait reçu Monique et Olbius. J'ai effectivement fait mon coming out. En même temps, certains, les plus affûtés de l'équipe, l'ont senti venir. Bloodborne, c'est un plaisir masochiste. C'est très compliqué avec ce jeu. C'est-à-dire que c'est un jeu que quand tu y joues, tu le détestes, et quand tu n'y joues pas, tu y t'obsèdes en fait, et t'as qu'une envie, c'est d'en finir et d'y revenir. Et du coup, c'est un jeu qui, encore aujourd'hui, occupe une place dans ma tête, et je n'arrive pas à m'en défaire en fait. Même après l'avoir fini? Même après l'avoir fini! Genre, je me dis, vraiment, je te jure. T'as pas joué à Dark Souls, c'est pour ça. Mais non, mais ouais, mais c'est vraiment ça. C'est... Faut que tu fasses Dark Souls sur Switch là. Ouais, non, mais je l'ai sur PS3. Je l'ai sur PS3, donc je vais jouer sur PS3. Faut que tu rebranches la PS3. Oui, oui, mais elle est branchée chez moi, hein, t'inquiète pas. Donc Bloodborne, effectivement, écoutez, c'est 6, mais avec un petit cœur quand même. Oh là là. Non, mais bon, faut rappeler qu'il s'est pas compté. Oui, c'est vrai. Non, mais disons que si tu veux, le ratio plaisir et douleur est quand même pas forcément. Je vous fais pas forcément l'avantage du jeu. Bref, ça c'était ça. Et puis, sinon, mais parce que toi, après, t'es pas dans le reward, tu vois. Non, moi, je suis du côté Persona 5. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est pour ça. Je suis plutôt. Moi, pour moi, je suis poli. Je demande. Je demande la position. Non, mais. Non, mais écoute. Attends, mais est-ce que Persona 5 te prend par la main? Non, mais bah non. Non, mais je chantais pas par rapport en rapport en fait avec ça, c'est juste. Bah oui, non, mais voilà. C'est juste que moi j'aime bien demander la permission avant de taper les nids, c'est tout. du coup, la politesse avant tout. Et dans les hashtag 200. Consentement. Hashtag le consentement, c'est important. IDB, tiens, c'est quoi ta découverte dans ton passage dans l'émission? Des lunettes en tout cas. Pardon? Des lunettes, non, des lunettes sont vertes. Encore un peu. Alors, découverte. Découverte des gens bien.
Non, même pas. Non, parce que je vous avoue, je vous aime pas vraiment. Alors, genre, franchement. Mais nous, on t'aime bien. Ouais, ben, bah, je m'en bats les couilles. Je sais pas quoi dire, franchement. Moi, j'en ai un si tu veux. Bah, vas-y, vas-y, Pierre. Bah, Dragon Quest Builders, suite à l'émission sur Dragon Quest avec Daniel Andreev. Qui m'a vraiment très très surpris parce que je m'attendais à un Minecraft-like vraiment avec une map procédurale et tout. Puis en fait c'est un vrai jeu d'aventure et d'exploration plus qu'un jeu de construction. C'est très Actraiser dans l'esprit où tu as des phases d'exploration et d'action et des phases de gestion où tu construis ta ville, où tu fais en sorte qu'elle soit la plus belle possible et que tu as défendre des monstres qui attaquent, etc. Donc ouais, c'est un mélange que je pensais pas, qui m'a vraiment surpris. Je pensais pas que ça serait comme ça, qu'on pouvait faire comme du Minecraft de cette façon-là. Avec des objectifs. Donc, exactement. Avec une histoire. Bah, c'est la notice de Minecraft, quoi. Non, mais c'est plutôt intéressant. C'est du post-apo. Non, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont repris la suite de la fausse fin, enfin de la mauvaise fin de Dragon Quest 1 pour faire le jeu. Ça, c'était assez drôle. C'est assez marrant. Puisqu'on va pas parler uniquement que de jeux vidéo, mais Lorraine. Du coup, toi, t'as eu des bonnes surprises au niveau du cinéma. Bah moi, du coup, cette émission m'a fait rencontrer des gens plutôt chouettes et enfin, j'étais très content de faire certaines émissions. Ouais. Enfin, notamment celle sur les nanars. Sur les nanars et puis sur Guillermo del Toro, c'était très cool. Bah, Fabien, t'es très prolixe, effectivement. Ouais, mais c'était très intéressant. Donc voilà. Donc, Alexis, tu voulais prendre la parole. Bah, sans vous, j'aurais pas regardé Devilman Crybaby parce que c'est pas du tout dans mon scope et vous en avez parlé de manière très laudative et j'ai regardé, c'était génial, donc merci. Alors du coup, vu que Damien, quand même, il faut le laisser s'exprimer un petit peu, est-ce que du coup tu cautionnes l'émission Gonagai maintenant ou pas? Ah mais Alexis, elle était est-ce très que tu... bien l'émission Gonagai. Mais... Je trouve que c'était une émission. C'était osé de faire une émission entière sur ce sujet, mais c'est bien d'en parler. Voilà. Et surtout à deux, quoi. Tu t'en sors bien. Du coup, Damien, effectivement, toi, tu es arrivé en tant qu'invité dans l'émission Gonagai, en tant qu'intervenant extérieur. Tu avais apporté énormément à notre table, et c'est effectivement pour ça qu'on t'avait proposé de nous rejoindre. Toi, effectivement, t'es pas là depuis longtemps, mais t'as peut-être eu des petites découvertes, notamment sur Netflix. Alors, ouais, alors pas forcément. Alors, sur Netflix, c'est vrai que je suis en train de manquiller un paquet de leurs séries du mois de mars, là. Mais sinon, une vraie découverte de cette année, c'est quand j'ai écouté la critique de Three Billboards, en fait, et que je suis allé le voir, du coup. Et que j'ai trouvé vachement bien, voilà. Et ouais, c'est une découverte cinéma, pas japanime, mais bon, ça change un peu. Une très très bonne surprise. Faut bien que j'y aille. Ouais, non, Three Billboards, c'était un film que je regrette de pas avoir pu aller voir, mais bon. Ah, t'es pas allé le voir. Mais très bien. Le second rôle, l'Oscar second rôle est très mérité. On va ouvrir une campagne de dons. Recouvrez pas ce que dit Damien, pardon. Damien, excuse-moi. Je disais, ouais, l'Oscar pour le meilleur second rôle est tout à fait mérité pour le film, pour une fois. C'était Woody Harrelson, c'est ça? Il me semble bien. Oui. Non, c'est l'autre, j'ai bien mangé son nom, mais c'est l'autre. Le mec qui joue dans Moon. Non, pour moi, c'est un illustre inconnu, mais il était vraiment excellent. Ouais, Sam Rockwell. Sam Rockwell, très bien, effectivement. Illustre inconnu, Sam Rockwell? Alors attention, vas-y. Alors, Sam Rockwell, il est très connu pour avoir effectivement des seconds rôles ou des rôles un peu mineurs, mais. Mais non, mais c'est un acteur qui est très connu quand même. Dans le film Moon, il est tout seul. Il est pas au cinéma, moi. Non, mais c'est un excellent acteur, justement, et qui est vraiment génial pour ses petits rôles. Mais quand il en a des un peu plus importants, c'est super agréable et on est toujours heureux de le voir, quoi. Donc moi, avoir vu qu'il avait un Oscar, j'étais hyper heureuse. Moi j'ai découvert avec Three Billboards et franchement c'était incroyable, hein, vraiment. J'ai été bluffé par sa prestation. Je peux te conseiller, regarde le film Moon. Tu verras, tu as kiffé. Et H2G2, je note ça aussi quelque part dans ma tête. Ah oui, H2G2, effectivement. H2G2. Vu que tu gardes la parole, Flo, c'est quoi ta découverte? Bah en fait, rajouter, parce qu'en fait, j'allais dire la même chose que Damien. Moi, c'est grâce à Pierre, j'ai découvert Three Billboards, je connaissais pas. Et malheureusement, j'ai pas pu aller le voir au ciné pareil. Mais je l'ai vu il y a pas longtemps par un autre moyen. voilà. Et c'était un film vraiment, vraiment excellent. Et ouais, les deux Oscars pour acteur, meilleure actrice et meilleur second rôle sont absolument nécessaires, donc c'était vraiment génial, donc merci Pierre. Merci. Alors on a Phenom qui nous dit sur le chat, émission Gonagai 2 la semaine prochaine pour Pacific Rim 2, peut-être pas. On a également Phenom qui nous dit que Skippy nous a fait une dure andale, lol. Et Seb qui explose de rire dans la régie. Les enfants, on n'a pas le temps, il faut qu'on avance, c'est l'heure du Time's Up partie 2.
C'est à nous. On se refait là, les gars. Allez, prends la caquette. Alors, l'équipe bleue, je rappelle les règles, 40 secondes par personne. C'est Florent qui commence, qui fait deviner à Titouan et Alexis. Vous avez un timer, attends. Et le timer, le timer. C'est Seb qui fait le timer maintenant. Seb fait le timer. Et vous avez un point de retard. Donc il suffit que vous fassiez le même score que nous, plus un pour rattraper. Ok, les gars, on est fort en Alors, on a vraiment intelligent. Dites-moi quand c'est bon. Top. Film animé japonais et météorite. Godzilla. Je sais pas, j'en sais rien. Non, vas-y, change. Oh, change. Je sais. Faut le remettre dans le chapeau celui que t'as pas fait. Hein. C'est bon, je l'ai vu, t'inquiète. Super héros, Batman, Superman, Spider-Man. T'as déjà trois mots là. Hein. Ah oui. Quelqu'un peut mettre la musique. Attends, ils ont dit beaucoup plus de trois mots. Ouais, c'est vrai. Quelqu'un peut mettre la musique. Association. Justice League. La, très bien. J'ai déjà pris celui-là. Ah putain, j'ai Ah mais j'ai pas envie de dire tout ça. Je change. On rattrapera pas. Non, c'est mort. Stop! Mais comment tu veux que je fasse trouver ça avec les mots qui sont interdits? C'est pas possible! En vrai, le vrai jeu, il n'y a pas de mots interdits parce que sinon c'est impossible. Par la périphrase ou la phonétique, ça marche aussi. Hein, tu peux. Ah ouais, mais voilà. IDB, on arrête de troller. Titouan, c'est parti. Je crois que j'ai tiré d'affilée, impossible de faire. Allez, Titouan, fais-nous rêver. Titouan, attention, tu dis top. Top! C'est mort. Non, franchement, je regarde pas. Non, mais jouer à deux peut-être. Deux pour faire deviner Alexis, non? Je sais pas. C'est... Mais non, mais mec, c'est que des trucs que je connais pas en plus. Mais voilà, on passe en dernier. On... Alors, c'est pour ça que. Là, c'était pas simple de faire deviner. C'est pour ça que généralement, au Time's Up, c'est les gens qui sont autour de la table qui mettent les mots. C'est ça l'intérêt en fait. Voix grave, chauve-souris, Batman. Voilà. Bravo. Mec, si tu verrais ce qu'il y a. Bah, je vais voir. Attends, y en a que j'ai déjà vu. Vas-y, essaye de les dire. Héros de ce qu'il y a sur la table. Héros de ce qu'il y a sur la table. Semaine, mais... Stop. Mais je sais pas comment il s'appelle. Stop. Ah bon, on est bien alors, les gars. Alors. Mais moi, je te l'ai dit, j'ai jamais vu. Moi, il y a la moitié des trucs que j'ai tirés, je sais même pas ce que c'est. Est-ce qu'on peut faire un round, nous, juste pour leur expliquer comment ça marche? Non. Je crois qu'ils ont pas bien vu. Bon, c'était les rouges, c'est pas gentil. Attention, on continue. Non, mais maintenant qu'on en a vu, Alexis. De toute façon, moi, je les ai vus, les trucs. Ah oui, moi, j'en ai vu aussi. C'est Seb qui. C'est bon. Seb, tu dis top. Top. Ok. Boîte sur la table. Richard Aldana. Boîte sur la table. Persona 5. Il y avait tout. Ce que tu viens de dire avant. Richard Aldana. Your name. Eh, vas-y, Your name. Sharknado. Tom Visso. Nanar, acteur. Visso, Tom Visso. Tommy Visso, oui, voilà. Visso. Tommy Visso, c'est pareil. J'en c'est pareil. Les gars, je sais pas. Visso, Navisso. Donne pas de l'importance. Your name. Jeu. Super NES, Street Fighter, remake septembre 2017, quatrième épisode. Pas stop. Je sais pas. Je pensais à Secret of Mana. Stop. C'était quoi? C'était Metroid. C'était Metroid. Ah, mais c'est pas un remake. Non, ils étaient pas sur Super NES. Donc je tiens à préciser à notre gentil producteur que c'est pour ça que c'est les gens qui font le jeu qui mettent les mots dans le chapeau en fait. Alors, je rappelle que voilà. Alors les bleus, vous êtes donc à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 points. Vous êtes à 13. Mais en fait, comme on les avait déjà vus, il fallait que t'enchaînes. Ouais, mais. Non, mais il y en avait plein qu'on n'avait pas vu. Non, mais ne touche pas aux autres papiers, c'est gentil. On en discutera pendant la pause musicale. La troisième. On voit Thomas, envoie la pause. Mais attends, il n'y a pas un troisième route. De retour dans Hyperlink pour la 50e. Arrête, Titouan, tu filmes. Ils font toujours les cons avec les mots du Time's Up. Non, mais en fait, Titouan vient de s'apercevoir qu'en fait, on est nul parce qu'on a tiré que des trucs super durs. Mais voilà. Donc il a le seum. C'est Leia Organa, pas Leila. Hein. Ah bah, c'est Seb qui a fait les mots. Hein. Et il faut pas rigoler avec les mots du Time's Up. Parce qu'au niveau du Time's Up, c'est le consentement, le harcèlement de rue, quoi, le directeur qui viole les actrices. Time's Up, non. Oh bah, non, mais j'ai pas la référence. Suivant. Non, non plus. On enchaîne. Avançons. Alors, écoutez, on enchaîne et vous voyez bien sur l'écran qui se trouve derrière moi, si vous regardez sur le Twitch, qu'on va faire un pas l'écran derrière toi sur le Twitch. Un dernier grand jeu. Décris-moi un mouton.
Alors, décris-moi un mouton, en quoi cela consiste ? C'est donc une image qui va s'afficher sur le grand écran derrière moi. Dans chaque équipe, un joueur masqué doit deviner un titre d'œuvre et les deux autres doivent lui décrire ce qu'il voit sur l'image. Je suis le joueur masqué. Attention, par exemple, si vous avez l'affiche de Blade 2, par exemple, vous ne dites pas c'est. C'est l'affiche de Blade 2. Voilà, vous dites non. Voilà. Non, mais voilà. Bravo! Vous dites non mais même par exemple vous dites pas alors il y a un vampire qui tient un katana genre, parce que vous êtes pas enfin vous le voyez pas que c'est un vampire. Ah putain c'est un vampire Blade. Bah bien sûr que c'est un vampire. On est bien. C'est un durnambule. C'est un vampire ou un durnambule effectivement. Tout à fait. Alors bon écoutez bon ah bah dis-toi tu prends les deux. C'est insupportable à part comment les gens peuvent dormir avec ça. Parce que tu descends pas l'élastique aussi voilà. Non mais c'est quand même insupportable de base. Bon ça doit durer 3 minutes, nous avons prévu 9 images, nous n'en ferons que 7 si cela vous va voire 5. On est bah non 6 parce qu'il faut une par tête, on fait 6 images, ok. Très bien, c'est parti. Donc Alexis et Florent, vous devez faire deviner à Titouan l'image qui suit. Vous vous êtes pas lavé monsieur. Sans dire le mot nous avons donc à l'écran c'est un jeu vidéo avec un androïde qui est sorti en début d'année dernière, il me semble. Ouais, qui a une sorte de perruque avec des cheveux blancs. Attends, t'as pas le droit de dire robot, il dit androïde. Ah, c'est vrai, on est dans le robot. C'est Seb qui a fait les images, ce n'est pas moi. J'ai pas dit robot. Un point pour l'équipe bleue. Faut changer de masque apparemment. Mais maintenant vous changez de masque. Maintenant c'est à moi. Ah non, mais juste. Mec, j'ai tellement rigolé, il y a mes larmes. Non, mais juste. Kael, comment tu perds à ce jeu? Bon bah vous. Bon, Alexis, à moi, est-ce toi que tu as vu l'image Alexis ou pas? Non. Non, ok, ferme les yeux. J'ai vu l'avenir. Ferme les yeux. Non mais tu perds comment à ce jeu? Bah il y a un temps non? Oh putain c'est mouillé. Go. on enchaîne à l'image suivante. Allez. Allez. Il faut choisir une image. Hein. Oh, c'est, alors ça se passe à. On a le droit de dire des noms, sauf les deux mots qui sont. Non, il faut décrire ce que vous voyez. Il faut décrire ce qu'on voit. Alors, on voit deux jeunes hommes avec des capes. Oui, des capes et des blazers et des cravates et des chemises blanches qui parlent à peu près à la fantôme d'une jeune fille. Qui est dans les toilettes des filles. Voilà. Pour pleurer. Voilà. Mais tu vois pas les toilettes des filles. Et si, on voit la tuyauterie, regarde, on voit la tuyauterie là-bas. Et apparemment, ça se passerait dans une vieille maison ou un château. Alexis, j'adore. Bravo, Alexis. Hein. Il reste combien de temps, s'il vous plaît, monsieur Raif? Ils ont des cravates rouges et jaunes. Il y en a un qui est roux et il y en a un. Et l'autre, il a des lunettes et une. Non, on a pas envie de dire lunettes. Tape pas sur la table, s'il vous plaît. Alors, c'était Harry Potter et la Chambre des Secrets. C'est censé être, j'aime bien. Alors, attention. J'aurais pas pu dire que c'était à Poudlard, par exemple. T'aurais pas pu dire que c'était à Poudlard parce que l'image ne te le montre pas. Bah, apparemment, c'est dans un coup. Alors, Florent, tu te mets le masque, c'est bon, on passe à l'image suivante. Il reste une minute. C'est quoi? Alors, une personne, un homme qui parle à une femme qui a des cheveux bleus et une peau toute rose, mais vraiment rose, hein, pas rose juste comme nous. Et en mode néon. C'est Ready Player One? Non, c'est il y a des couleurs un peu flashy dans ce style. Il y a un espèce de c'est très rétro wave. Ouais. L'homme et les couleurs sont très flashy sur la femme et l'homme est en contre. 30 secondes. Il est en noir, on le voit pas trop, on devine. De dos. On devine qu'il porte un grand manteau. Il la regarde. Il y a une balustrade. C'est un film, c'est quoi c'est... Et c'est, ils sont, bah ça on sait pas, hein, sur l'image c'est pas dit. Hein. Je peux le dire, c'est un film. Voilà. C'est un film. Ça peut vous épauler. Mais c'est grave chaud. Alors, elle est comment la dame? Elle est. Mais en fait déjà. Je sais pas, moi j'ai pas vu. Moi j'ai film, pas vu le film donc. Je donne un indice, c'est un hologramme géant. Je sais pas ce que c'est, enfin on a pas vu le film. Nana, c'est un hologramme géant. Stop, Seb, referme le timer, c'est. Retire ton masque. C'était Blade Runner 2049. Ah ouais, mais j'ai pas vu cette merde. Ah personne ne l'a vu. Ah ouais. Si, j'ai vu.
Personne ne l'a vu autour enfin, de notre équipe. Hein. Pardon ? Très bien. Notre équipe. Nous, c'est l'équipe d'un cul de Peter. Le premier Blade Runner, comme tu veux, mais le deuxième, jamais de la vie, je vais voir ça. Ce plan était dans le trailer et tu t'en justifieras auprès de Seb et d'Ile des Brando après l'émission. Après, si les gens ils ont des goûts de merde, c'est pas de ma faute. Mais voilà quoi. La rédaction s'engage. Donc maintenant, c'est Pierre. Ça te fait une bonne tête, on dirait un cul, mec. Mais non, mais c'est. C'est Cyclope des X-Men. Ah ouais. On avance, s'il vous plaît. Ile des Brando et Lorraine, c'est à vous de faire deviner à Pierre. Ouais, penche-toi, Pierre, parce qu'on voit pas très bien l'image. Merci. Alors. Là, y a pas de mots interdits. Alors, une teuf dans ce qui se ressemble à une église. Y a des néons. On voit un mec blond en manteau blanc, un mec en chemise avec des cheveux noirs. Une espèce de poussée. Une église Kingsman Non. Alors, mais bien dans le micro, c'est animé, c'est comme un animé. C'est dessiné. C'est dessiné. Batman. Ça fait un peu penser à une espèce de. C'est. Comment dire, une femme démoniaque. Ouais, l'image au milieu, c'est cette espèce de dieu démon indien, genre Shiva ou je sais pas quoi. Pour moi, les malins. Et il y a plein de gens qui font la fête et ils sont tout nus. Ouais, et ils sont tous. Il y a du sexe dans un coin. J'en sais rien. Il y a des drogues dans l'autre. Attends. C'est pas Berserk. Ah oui. Je crois que ça a été beaucoup conseillé ici. J'ai pas le droit de le dire. J'ai pas, c'est un film. Non, c'est animé. C'est animé. Je peux pas te dire si c'est un film ou une série. J'ai pas le droit. Mais c'est animé. Ça. Le mec, c'est les deux personnages principaux, je pense, qu'on voit. Evangelion. Ils sont blonds et. Ah, Devilman. Ouais. Bravo. Non, c'est pas bon. Non. C'est pas ça. D'accord, bon, très bien. Ouais. Il manque. Devilman Crybaby. Oui, voilà. Ah. Donc. Précise ta réponse, Titouan, il est pointilleux. Ah. Tout à fait. Voilà. Ah bah moi quand je me fais bien baiser, je les yeux. Sache-le mon petit pote. Toi, il a sorti à ta veste quand même. J'avoue. Alors IDB se masque les yeux. Attends, parce que j'ai les fausses lunettes. Toujours. C'est magique. C'est attention. C'est perturbant. Alors c'est un bonhomme. On voit que son visage, mais il a l'air très musclé. Il a un œil bionique. On voit qu'en fait, sous sa peau, c'est pas vraiment un squelette. Oui, ouais. Il est bon. Ah, c'est facile, attends, y a c'est facile. Il n'y a plus rien dire. Mais oui, je fais plus de mots tabous. Ça fait complètement bien. Nous, on a eu les jeux. Nous, on a eu les mots où on n'a pas le droit de dire. Eux, voilà. C'est... Seb, il faudra te justifier sur la répartition des images entre les équipes après. Hein. Parce que là, c'est. Lorraine se masque les yeux et on est parti. Ah mais qu'est-ce que... Ah ok d'accord, tu zappes, tu mets celle-là, très bien. Oula, Ça c'est bon, je pense qu'on peut dire au revoir. Ça rééquilibre. C'est un dessin animé des années 30. Ça a le style d'un dessin animé des années 30 avec deux grandes grenouilles. Il y a un personnage qui a une tête de porcelaine. Un peu. Ah, c'est Cuphead, non, c'est ça. Oh là 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 là. C'est pas vrai. Bravo. Très bien, avant la fin du timer en plus, hein, donc bravo, applaudissements. Moi, j'applaudis pas. Vous êtes bon. Oh là là là. T'inquiète pas, tu perds depuis tout à l'heure. C'est pour ça que j'applaudis pas. Je vais pas non plus applaudir les mecs qui me défoncent. Tais-toi. Voilà. Donc, c'était dans le casque. Ah oui, mais mon casque ne marche pas. Donc Ça disait fuck you. Ah, ok. Voilà. Kizuna Ai, on t'embrasse. Les amis, il est déjà 17h30, on va pas forcément avoir le temps. Si vous avez. Alors, peut-être on va prendre des questions du chat, si vous voulez bien. Le chat, si vous avez des questions sur le podcast. Il fallait leur dire au début de l'émission qu'il fallait poser des questions. Bah, écoutez, ils sont très occupés à jouer au jeu concours. Moi, j'ai une petite anecdote sur les émissions. Je me fais tout le temps avoir sur les questions. Elles sont tout le temps plus dures pour mon équipe. Et je pense qu'Alexis est d'accord avec moi. On se fait tout le temps laminer. T'es gentil, Ile de Brando. J'ai gagné un quiz musical dans ma carrière, alors. Je pense qu'on est tranquille. Moi j'en ai gagné plein, mais pas grâce à moi. Toujours grâce à la personne qui était à côté de moi. Moi je les ai perdus grâce à moi, t'inquiète pas. Hein. Je crois que j'ai trouvé une réponse sur tout ce que j'ai fait. Ce qui est marrant, c'est qu'Ile de Brando participe, mais il est juste pas juste et il oublie tout le temps de dire le numéro 3 et quelqu'un n'y connaît. Genre Spider-Man 2. Ah, oui, ah non, c'est le 3. Voilà comment le mec Oui, parce que je suis pas vraiment l'enculeur de mouche comme vous, quoi. Mais... Oh, ça y est.
Bon, alors, à poser des questions, parce que sinon... Alors, du coup, est-ce que vous avez peut-être des recos? On va griller sur la fin de l'émission, des recos. Moi, j'ai une reco. Ah, alors bah, oh, t'es carrément venu avec. Eh ouais, bah putain. Oui, bah, c'est pour jouer en haut. Et dans le train, surtout. Dans le train aussi, de où vous voulez, de toute façon, que ce soit tout seul ou à plusieurs. C'est Puyo Puyo Tetris, qui est également sorti sur PC il y a quelques jours, je crois. La semaine dernière, ouais. Mm. Bah, Puyo Puyo Tetris, génial que ce soit tout seul ou à plusieurs. C'est top, c'est addictif as fuck, et c'est génial. C'est nickel. Qui d'autre avait une reco? Nous avons comme vas-y Alexis, après Stephen je prends la question King sur le est mort cette semaine. Je vais vous recommander le documentaire Cosmos sur oui. Netflix de Neil deGrasse Tyson, qui est une suite du Cosmos de Carl Sagan, qui sort dans les années 80. Ça nous apprend beaucoup de choses sur notre univers, l'être humain, d'où on vient, les évolutions, etc. C'est très intéressant. C'est plusieurs épisodes d'une heure, mais foncez, c'est génial. Et sinon, lisez le livre Une petite histoire du temps. Une brève, de Hawking sur le même sujet, plus ou moins, qui est aussi très intéressant. Nickel. Pour rebondir sur ce que dit Alexis, moi je voulais aussi avec Stephen Hawking, je voulais recommander une chaîne YouTube d'un gars qui s'appelle Astronogeek, d'un mec donc qui fait des sujets vidéo sur justement les choses de l'astronomie, les planètes, les trous noirs. Il va vous expliquer ça bien comme il faut sur comment les Russes ont envoyé un tank sur la Lune, des choses qu'on sait pas forcément, qui sont toujours un peu drôles, et c'est toujours super bien expliqué. Et aussi il essaye au maximum de tordre les idées des conspirationnistes, des choses comme ça, les super lunes de sang bleu, les trucs cons là, qu'on voit partout, voilà, la terre plate, tout ça. Il a fait un sujet là-dessus pour essayer, par des choses scientifiques, etc., d'amener à vous faire réfléchir, à vous faire comprendre que tout ce qui est dit sur Facebook ou par tous ces sites-là est faux, et comme il le dit, levez les yeux au ciel et soyez astronogiques. Donc voilà, c'est vraiment une très bonne chaîne YouTube. Très bien, on va passer peut-être aux trois prochaines recos. Nous avons une question sur le chat de Dr Lensen qui nous dit: Qui seront les prochains invités de l'émission? Alors, c'est très très bien, parce que tu Oscar Le Maire. Il est arrivé dans le train. Il est dans le train, il arrive. Il est parti en avance. Alors, gros teasing, les amis, je sais pas, on peut le dire tout de suite. Allez, pour la semaine prochaine, on reçoit Thomas Romain. Wouh! Voilà, on reçoit Thomas Romain qui est. Wow. Pour ceux qui le remettent pas, c'est Yoko, Banta Racers. Voilà, et pour son passage en France en ce moment pour Salon du Livre, il nous fera l'honneur d'être avec nous en plateau la semaine prochaine. Ce qui est déjà pas mal, hein, je pense. C'est un bon gros invité. Puis pour le reste. Ça tombe très bien. Voilà, effectivement, et pour le reste, Est-ce qu'on pourrait dire un invité qu'on veut et que je suis en pourparler pour essayer de le faire venir, mais que c'est compliqué? Est-ce qu'on a le droit de le dire ou pas? On peut le teaser, ça? Non, parce que quand il viendra pas, du coup. C'est ça! Je ne sais pas si cette personne va apprécier, donc balance un indice, mais très vague. Un indice, c'est la voix de Titeuf. Voilà. D'accord. C'est plus que. Très vague. C'était plus vague. Tu m'as dit un indice, tu m'as pas dit vague, tu m'as dit un indice. Ah, j'ai dit très vague. Ah, excuse-moi, j'avais pas entendu très vague. C'est pas grave, on enchaîne, les amis. Trois recos encore? Non? Ok, d'accord, très bien. On passe au. Damien. Moi, je suis en train de me retaper tous les Gundam qui sont pas l'Universal Century sur Crunchyroll. Donc, allez voir Gundam Wings, parce que voilà, c'est rigolo. Just Wild Bit. Ils sont 5. 5 valeureux guerriers. Tous charmeurs. Le générique de Gundam Wings, ça c'est peut-être ma petite reco, effectivement. Le générique de Gundam Wings en français, vous le trouvez sur Dailymotion. Putain, c'est passé sur M6 à l'époque. La moitié de la série. Il est hilarant. Les amis, nous avons un quiz musical beaucoup trop long, comme c'est marqué sur le conducteur. Je vais peut-être pas vous le faire en entier, mais je propose quand même qu'on attaque. Pour le sport, si on gagne le quiz musical, on a tout gagné. Allez, c'est parti. Pierre est d'accord. Ah, la gaffe, faut mettre sur les enceintes. Parce que sinon, on peut pas jouer avec les deux brandes. Ah, faut mettre sur les enceintes? Ah, bah ouais. Parce que leur casque marche pas à tous les deux. Ah, d'accord. Bon, bah, on peut. Est-ce qu'on peut mettre sur les enceintes depuis la régie? Très bien, c'est bon. Ok. Yeah. On est parti pour le premier morceau. Ah, c'est Sonic. Sonic Air, bravo. Fallait dire, Sonic. Bienvenue dans ma vie, Titouan. Alors, Sonic ou Sonic Air? Alors, Sonic Air. C'est Sonic Air. Donc, t'as dit Sonic? Oui. Les premières notes sont dans tous les Sonic à peu près, je crois. Ouais, bah. C'est Sonic Air. Sonic Air. Un point. Putain, mais t'as le seum. T'as le seum intégré. Petit rire entendu, un point pour l'équipe rouge. C'est parti pour le deuxième morceau. Pokémon Argent.
il est bon. Yes, il est bon. Un point pour l'équipe rouge. Je l'avais aussi au fait, Titon, hein, juste pour que tu saches. Toi, t'avais Pokémon jaune. Hashtag n'est pas le sub. Troisième morceau. Panty and Stocking. Non, bon. t'as dit quoi Panty and Stocking with Garter Belt. Quoi, quoi pour rien. Panty and Stocking with Garter Belt. Seb refuse ce point. C'est quoi ce jeu? Non mais attends, c'est un anime. C'est quoi cette catégorie Seb de film de que regarde Yves Seb, de Brando? Seb refuse le point, on enchaîne. Non mais je l'ai pas vu, personnellement. Je... On enchaîne. Persona 5? Non, ce n'est pas Persona 5. Last Man? Ah, on entend mieux comme ça. C'est pas un Ridge Racer? Non. Ah, c'est Kingdom Hearts Oui. Oh là là. C'était Kingdom Hearts. Mais des fois, tu peux apprendre des trucs occidentaux. Ça n'existe pas dans la vie de Karen. Je t'ai dit, quand on s'est rencontrés, l'Occident n'existe pas dans la vie. Oh là là. C'est pour ça que j'aime pas Bloodborne. J'aime les jeux japonais, mais quand même. Ah bah, c'est vrai. Ah bah, oui, c'est vrai que maintenant, on a Damien sur les enceintes aussi. C'est bien ça, on a Damien sur le plateau avec nous. Il est dans la pièce. On enchaîne avec le morceau suivant. Megaman 2 Non, le équipe bleue. Megaman 1 Non, équipe rouge 3. Oui. Megaman 3. J'avais compris le truc. C'est pas loin. Megaman 3, donc le thème du. Après le quiz musical pour Pierre, nous allons faire le nôtre. Hein. Très bien, très bien. On enchaîne avec le point suivant. Ah, Persona 5 oui. Ah oui, oui. Je sentais, mais j'allais dire le 4. Un point pour l'équipe bleue, effectivement, c'était le thème de la banque, bravo. Morceau suivant. Full Metal, Full Metal Alchemist. Brotherhood. Moi je l'ai. J'étais moyen, l'équipe rouge. Je suis à deux doigts de donner le point pour l'équipe bleue pour égaliser. Non, mais c'est pas grave, c'est bon. Maintenant. On veut pas de votre charité. On a 10 points de retard, c'est pas grave, on peut pas t'apprécier. Écoutez, les enfants, moi je donne à l'équipe bleue, voilà. Et on s'arrête. Ok, d'accord, on s'arrête, très bien. Il est 38, on s'arrête. C'était Pokémon. On a le nom du gagnant du concours, effectivement. At Azi Arab. Tout à fait, comment ça s'écrit? Azi Arab, tout à fait. Bah, Azi Arab, tu remportes le tome 1 de l'Atelier des Sorciers, nouveau manga chez Pika. Effectivement, c'était une petite reco de ma part aussi. C'était effectivement un manga, voilà, un peu enchanteur, un peu mignon, un peu joli, mais surtout extrêmement bien dessiné parce que c'est pas commun. C'est une autrice japonaise qui dessine des comics et qui décide de se mettre au manga et du coup ça importe bien un peu d'Occident au Japon. Hein, voilà, Florent. Mais non, mais à chaque fois que je viens, il y a que des trucs japonais. J'aime les jeux japonais, mais quand même un peu. Il y a d'autres jeux dans le monde. Non. Ce que je comprends, c'est que quand tu mets les animés, c'est même pas les animés que tout le monde a vu, tu vois. Il y a à part FMA. Panties and Stockings, mec. Panties and Stockings, c'est un chien. C'est comme Pokémon tous les soirs sur M6. Bon, bah, Seb, de toute façon, Seb a contesté ce morceau-là, donc on n'a pas donné de points. Alors, si on récapitule. Oui, bah ça va, c'est bon. Si on récapitule, nous avons. C'est récapitulé, je pense. Rendons l'antenne. Les bleus ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 points. Bon, on est pas mal. 19 points en 4 minutes. Bon, 19 points à 32, mais bon, on est pas mal quoi. Et les rouges ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pardon ? Tu as 20, tu as noté. Ah oui, tu as compté les. Tu as 20, d'accord, très bien. Est-ce que tu as compté les points en plus en même temps ? Merci. Seb, tu peux nous donner les points du coup. C'est plus simple. Apparemment, il y a Azi Arab au Salon du Livre. Non. Ah oui, apparemment. Alors, chut, laissez. Seb, je t'ai pas entendu là. On t'a pas entendu. Viens en plateau, c'est plus simple. 20 contre 26, 26 pour l'équipe rouge. On a perdu. Bravo. Bravo, héros. Comment c'est possible? On a fait 6-2 sur le quiz musical. J'ai envie de te dire, ils sont gentils avec nous. Alors, en même temps, ils vous ont laissé la victoire. Les amis, l'équipe de l'émission suivante arrive, donc on referme ce quiz musical. Et une fois n'est pas coutume, c'est la fin des shows. Et c'est la fin de l'émission 50 d'Hyperlink. Et quand même, à quoi ont servi tous ces jeux à votre avis? Rien. À rien? Rien du tout. T'es sûr? Tu es sûr que c'est du nihilisme pur. Ah bah écoute mec, je vais t'apprendre que l'équipe rouge a gagné le droit de payer sa tournée à l'équipe bleue. Ouais.
Et voilà, c'est bien, tout. J'ai pas l'argent. Ce numéro 50 Hyperlink est terminé. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, hashtag HPL, sur le Twitter, pardon, Hyperlink underscore RVL sur Twitch. Aussi, abonnez-vous, c'est important. Laissez-nous des petites étoiles sur Apple Podcast. Vous commencez à nous en donner beaucoup en ce moment, ça fait très plaisir. Donc comme ça, on gagne un petit peu en visibilité, puisque pour l'instant, on est payé en visibilité. Et en passion. Et en passion. Et on vous donne du coup rendez-vous. Ça rapporte. Entre-temps, pour les 50 prochains numéros. Voilà. Beaucoup de visibilité, beaucoup de passion, et on se donne rendez-vous pour l'épisode 100. Allez, plein de bisous. Ciao. 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 Bye. Jeux vidéo, BD, manga, série et cinéma de genre. L'actu Pop and Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de bulles et de pixels. Avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.